Le pardon te donne le bonheur. D'abord à toi qui pardonne, ensuite à celui qui est pardonné. Si on ne fait pas miséricorde à quelqu'un, il ne nous sera pas fait non plus miséricorde. Car une des pires choses que vous puissiez faire, c'est d'avoir un cœur plein de non-pardon. Cela gâche votre vie de prière, cela gâche votre communion avec Dieu, cela gâche votre onction, cela ouvre la porte au diable dans votre vie. La Bible dit, le jugement est sans miséricorde pour ceux qui sont sans miséricorde. Tu ne peux pas avoir un maître miséricordieux et toi, tu vis dans la vengeance. Si vous avez de la haine contre quelqu'un, si quand vous pensez à quelqu'un, ça provoque quelque chose dans votre cœur, vous avez besoin de pardonner cette personne. Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Il est dit, la miséricorde triomphe du jugement. Pardonne-moi de la haine que j'ai contre cette personne. La Bible dit, apprenez à vous pardonner. Parce que Christ vous a pardonné. La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel avant d'essayer de l'offrir à Dieu et va d'abord et fais la paix avec ton frère. Un homme qui pardonne reçoit le pardon de Dieu.